Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour très facile à réaliser, quasiment automatique, idéal du coup pour les débutants. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, derrière vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo de ce tour. Alors pour ce tour là, normalement j'ai besoin de deux spectateurs, hein, donc je vais essayer de vous faire la démo. Mais bon, ça sera pas aussi magique que si je le faisais avec des vrais spectateurs, puisque là je vais faire le rôle du spectateur qui choisit les cartes, donc je connaîtrai forcément les cartes qu'il aura choisies, mais logiquement je ne suis pas censé savoir ça puisque je fais normalement le rôle uniquement du magicien. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner une petite idée de la présentation du tour, comment il se déroule. Donc pour ce faire, vous tendez un jeu de cartes à vos spectateurs et vous allez lui expliquer en fait ce qu'il va devoir faire pendant que vous aurez le dos tourné. Donc pour ce faire, en fait, vous allez lui montrer une première fois qu'il va devoir prendre le paquet en main et prendre des cartes en dessous comme ceci et les retourner dessus comme ceci autant de fois qu'il veut. Vraiment, il fait ça autant de fois qu'il veut pendant que vous avez le dos tourné. Et quand il décide de s'arrêter, il prendra connaissance de la carte qu'il aura retournée. Donc imaginons qu'il s'arrête ici, il prend connaissance de cette première carte et vous lui demandez de prendre toutes les cartes qu'il aura retournées, de les remettre face en bas comme ceci et ensuite de tendre le paquet à un deuxième spectateur pour qu'il puisse faire la même chose et prendre connaissance d'une deuxième carte. Ok, donc là, moi je me retourne, donc le spectateur prend le jeu en main comme ceci et commence, donc il retourne les cartes comme ceci, voilà, hop, vraiment, tac. Et quand il veut s'arrêter, il s'arrête. Alors j'imaginons qu'il s'arrête sur celle-ci, ici le 2 trèfle, donc c'est la carte qui retiendra toutes les cartes, hop, il les repasse comme ceci, il tend le jeu à un deuxième spectateur qui fait de même pour prendre connaissance d'une deuxième carte, peu importe, imaginons, allez, on va dire celle-ci, hein, donc Dame de Pique, et ils retournent, et ils peuvent couper le jeu, et ils mettent ça sur la table. Moi, là, à ce moment-là, le magicien se retourne, il prend les cartes, et vous êtes d'accord que c'est impossible pour le magicien de connaître quelles sont les cartes qu'ont choisi les deux spectateurs, puisqu'il avait le dos tourné, et que ça s'est fait dans son dos. Et bien pourtant, juste en étalant le jeu comme ceci, et en regardant les cartes, le spectateur est capable tout simplement de sortir une première carte, et une deuxième carte, et ce seront vraiment les cartes choisies par les deux spectateurs, où il aurait pu les deviner ou autre, mais voilà, la présentation de base. Donc voilà, vous verrez les explications de la méthode qui est vraiment très ingénieuse et qui pourra vous servir pour d'autres tours, donc n'hésitez pas à aller voir les explications. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu et vous aura donné envie de vous intéresser à ce tour. Comme d'hab, pour ceux qui voudraient apprendre à le faire, vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également l'école de magie 100% gratuite www.magistreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne pour apprendre les bases de la magie des cartes et de la magie des pièces, et le tout accompagné de tours expliqués, avec également la plateforme VOD pour avoir des tours plus élaborés. Et pour ceux qui veulent plus de contenu et aller encore plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif en passant par des tours de magie expliqués en plus, des posts et des emojis exclusifs, et la possibilité de participer à un concours réservé aux membres tous les 15 du mois. Donc voilà, si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller les voir. Cette vidéo prend maintenant fin, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu pour me soutenir, également le petit commentaire qui va bien avec, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.